Je ne suis pas l'auteur de cette musique. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, je prends toujours un petit moment d'adoration parce que je sais qu'en adorant l'adoration, c'est l'Esprit de Dieu qui descend sur ses enfants. Alors, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je sais ce que je fais. Et si je vous parle de la parole de Dieu, c'est parce que je sais que dans la parole de Dieu authentique, il y a une puissance cachée à l'intérieur. Alors, toutes les personnes qui disent que Jésus est un menteur, Jésus, il a menti, il a dit qu'il ne connaissait pas le jour où la fin du monde va arriver. Certaines personnes aussi qui disent que, oh non, Jésus là, c'est un menteur, il ne connaissait pas le moment où le figuier devait donner des figues, alors il a desséché le figuier. Vous ne pouvez pas comprendre ces choses parce que ces choses vous sont cachées. Alors, pour que vous puissiez comprendre les mystères de la parole de Dieu, il faille que vous soyez né de nouveau et que la révélation vous est parue. Parce que vous pouvez passer près même de Dieu sans vous rendre compte que Dieu est là. Pourquoi? Parce que vous êtes dessus de sa grâce. Il a caché sa grâce à qui il veut. Alors, il a révélé aussi sa grâce à ceux dont il voulait, à ceux qui avaient été conçus avant la fondation du monde pour être des enfants de Dieu. À cela, il leur a permis de devenir enfants de Dieu et par la parole, par sa parole, ceux-ci se sont convertis et ils sont passés par la nouvelle naissance et ils sont sauvés. Vous qui pensez que Mohammed peut sauver quelqu'un, vous êtes dans l'erreur. Vous qui pensez que le Dieu des Arabes, le Ilah des Arabes peut sauver quelqu'un, vous êtes dans l'erreur. Je vais énumérer quelques petites choses. Vous allez comprendre que lui-là, il ne peut jamais être Dieu. Maintenant, ceux qui sont des hindous, des hindouins, des quoi, ceux-là, ils sont aussi égarés. Mais ceux-là, ils ne se réclament pas d'Abraham. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, on n'a pas le temps pour eux parce qu'ils ne se réclament pas d'Abraham. Eux, ils ont les créateurs. Ils connaissent qui leur a créé. Voilà. Mais nous, là, nous qui nous réclamons d'Abraham, là, il y a une religion d'à côté qui dit aussi qu'eux, ils se réclament d'Abraham. Nous, là, nous suivons l'idéologie de Christ. Mais eux, là, ils disent que c'est la meilleure des religions, que leur Dieu a agréé une religion pour eux. Preuve que c'est Satan qui a fait ça. Je vous explique pourquoi. La religion ne peut pas venir de Dieu. Un religieux, c'est quelqu'un qui fait, qui pose des actes, des actions pour plaire à une divinité. Et nous savons bien que si c'est le cas, aucun homme ne peut être sauvé. Parce qu'il est dit aussi dans les Saintes Écritures qu'il n'y a même pas un seul pieu. Il n'y a même pas une seule personne pieuse sur la terre. Alors, vous qui lavez les mains, la tête, les pieds, vous là, qui mettez petit tapis au sol, vous montez dessus. Après avoir fait tout ça, Dieu là, celui que vous adorez là, il dit, hein, il n'y a même pas une seule personne qui est pieuse. Bon, tout ce que vous faites là, ça sert à quoi? Parce que quand vous faites ça, vous dites que non, vous faites ça parce que vous voulez plaire à Dieu. Vous faites ça parce que vous faites des bonnes actions pour que Dieu vous voie bien. Il faut que Dieu voie que vous êtes des bonnes personnes. Mais quand on regarde réellement la parole de Dieu, Dieu qui dit encore qu'il n'y a même pas une seule personne pieuse. Il y a des gens qui ont fait ça pendant des centaines d'années. Ce que vous faites là, ça n'a sauvé personne. La loi de Moïse était plus que ça. Ça n'a sauvé personne. Il a fallu que l'Éternel lui-même décide de venir. Alors, Dieu a dit que je viendrai moi-même. Alors, si Dieu est venu, comment est-ce que nous devons savoir que Jésus est venu? Si Dieu est venu là, si l'Éternel est venu là, quels sont les signes qui vont montrer que l'Éternel est venu? Jésus a accompli ces signes-là, vous les connaissez. Et c'est à travers ces signes-là que nous savons que c'est lui, l'Éternel, qui est venu. L'Éternel s'est envoyé lui-même. Si vous ne comprenez pas ça aussi, ce n'est pas mon problème. L'Éternel, là, il a décidé de venir.
et de prendre un tabernacle. Lui, étant esprit invisible, il savait que s'il venait étant invisible, personne ne l'aurait vu. Personne n'aurait même su qu'il est venu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il forme un corps. Avant même la fondation du monde, il avait déjà formé ce corps. Il a préparé ce corps déjà avant la fondation du monde pour que ce corps-là puisse rentrer dans le monde pour venir sauver l'homme de son péché. Il savait aussi que la loi ne pouvait sauver personne, car c'était son plan aussi. Alors, si vous ne connaissez pas que tout ce qui arrive et tout ce qui s'est passé dans le passé, c'est le plan de Dieu, c'est sa volonté, vous êtes égaré. C'est lui qui est Dieu. Jésus a dit, je suis le bon berger. Le bon berger prend soin de ses brebis. C'est lui, Jésus, qui prend soin de nous. C'est lui qui nous montre comment marcher. C'est lui qui nous guide. Ce n'est pas nous qui faisons des efforts pour être guidés. Maintenant, il y en a qui font des efforts pour être guidés devant les dieux. Il y a des gens, des hommes qui disent qu'ils sont doués d'intelligence, qui veulent être guidés devant les dieux. Mais quand nous regardons de plus près, nous comprenons qu'ils ne sont même pas guidés. Alors, si vous voulez être guidé, regardons d'abord si votre prophète lui-même a été guidé. Ibn Abi Kabsha, est-ce qu'il était guidé? Ibn Abi Kabsha n'a jamais été guidé. Ibn Abi Kabsha, il ne connaissait même pas où il allait. Il a dit qu'il ne fait que dire ce qui lui est révélé. Il ne sait pas d'où il va. Il ne sait pas ce qu'on fera de ceux qui le suivent. Voilà un prophète de Dieu qui dit qu'il ne sait pas où il va. Et il ne sait pas ce qu'on fera de ceux qui le suivent. Quelqu'un comme ça, vous le suivez. Quelqu'un qui dit qu'il est nullement responsable de votre sauvegarde. Si quelqu'un voit clair, c'est à son avantage. Si quelqu'un ne voit rien, reste aveugle, c'est à son détriment. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Quelqu'un comme ça, vous le suivez. Quelqu'un qui a lavé ses mains, il a dit, n'est pas là pour ça. Les choses spirituelles, il ne connaissait pas. Quelqu'un qui ne connaissait même pas ce que signifie l'âme et l'esprit. Quelqu'un qui a dit que l'ange Gabriel, c'est le Saint-Esprit. Vous suivez quelqu'un comme ça, il dit que l'ange Gabriel, c'est le Saint-Esprit. Même vous-même là, qui ne connaissez rien de cette écriture, vous ne pouvez pas dire que le Saint-Esprit là, c'est l'ange Gabriel. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut dire que le Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel. Ça n'existe pas. Vous là, qui croyez que le Consolateur là, c'est Mohammed. Donc cela signifie que le moment où Jésus vivait avec les disciples, après sa résurrection, Mohammed était parmi eux. Donc Mohammed était parmi les 12 apôtres. Mais nous ne connaissons pas ça. C'est vous qui nous informez. La Dawa, la DDR, c'est vous qui nous informez. Oustaz Diané et sa bande de menteurs et de tricheurs, c'est vous qui nous informez que Mohammed Ibn Abi Kabsha, donc Ibn Abi Kabsha était le moment où Jésus était avec les disciples, le moment où Jésus était avec ses apôtres, quand il leur parlait, quand il leur a ouvert l'esprit là. Donc, Ibn Abi Kabsha était là-bas. Donc, Mohammed, Mahomet, il était là-bas. On a dit que le Saint-Esprit, là, il devait vivre éternellement. Il ne devait pas mourir. Et que le monde ne le connaissait pas parce que le monde ne l'a jamais vu. Donc, en ce moment-là, Mohammed était là-bas. Et les disciples avaient vu Mohammed. Donc, Mohammed est né en l'an 0 avec Jésus. Il a vécu avec Jésus. Et quand Jésus est mort, ressuscité, Mohammed était là. Voilà pourquoi Mohammed a bien vu que Jésus n'était pas mort. Parce que Mohammed était parmi. Donc Mohammed était vivant le moment où Jésus parlait. Jésus est mort, ressuscité. Mohammed dit que c'est faux. Donc Mohammed était là. Donc quand Jésus disait que le Consolateur viendra là, ça dit que Mohammed devait venir encore. Ça dit que Mohammed était là avec Jésus. Mais Jésus a dit que le Consolateur qui viendra après moi là, il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc Jésus devait envoyer Mohammed qui était déjà là avec eux. Oh, vraiment, quelle clairvoyance. Vraiment, l'islam me fascine, quoi. Par le degré d'intelligence, doué d'intelligence qu'il y a là-bas. Donc, Jésus parlait de Mohammed au futur et que lui, il fallait qu'il s'en aille pour que Mohammed vienne. Mais Mohammed était déjà là. Le Consolateur, là, que les disciples connaissaient, là, que les apôtres connaissaient, là, qui demeurait avec les disciples, là, c'était Mohammed. Donc, Mohammed était là avec Jésus. Mohammed était le 13e disciple. Donc Mohammed était le 13e apôtre de Jésus. Il était là, il a tout vu. Il a vu la mise en scène, comment Jésus s'est caché. Et on a pris un apôtre qui s'appelle Judas Iscariote. On l'a crucifié. Donc le Coran confirme quand même qu'il y a quelqu'un qui est allé à la croix. Donc ce n'est pas Jésus qu'on a crucifié, mais on a quand même crucifié un homme à la croix. L'homme qu'on a crucifié à la croix là, c'est lui qui allait pardonner les péchés. Donc Jésus là, il n'est pas mort, mais il a fait semblant de mourir. Mais on a pris quelqu'un d'autre. On a crucifié à la croix. Et cette personne-là, il a pardonné les péchés du monde. Waouh! Mais
Pourquoi le nom de ce monsieur qui a été crucifié là n'est pas dans la Bible? Pourquoi le Coran ne parle pas de ce monsieur-là? Ah, donc le monsieur qui a remplacé Jésus à la croix, c'est lui Issa. Oh, voilà! Tout devient clair maintenant. Donc Jésus-là, il n'a pas été crucifié. Mais on a pris plutôt quelqu'un d'autre pour le substituer. On a caché Jésus. C'est-à-dire que Dieu Tout-Puissant, il envoie son prophète qui est Jésus, avec tous les pouvoirs, avec toutes les preuves et tous les signes. Jésus ressuscite les morts, il guérit les malades, il soigne les paralytiques. Jésus annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Jésus fait toutes ces choses-là pour que Jean-Baptiste lui-même reconnaisse, Yahya, il reconnaît que oui, vraiment, l'Éternel est venu lui-même. L'Éternel est venu, je ne suis même pas digne de déluer la courroie de ses souliers. Il est venu lui-même, Dieu est venu lui-même. Jean-Baptiste a dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Jésus est venu, il a dit, le royaume des cieux est parmi vous. Donc Jean-Baptiste n'a pas menti, Yahya a dit la vérité. Donc l'Éternel est vraiment venu, mais l'Éternel n'est pas mort, puisqu'il ne peut pas mourir. Alors il a pris plutôt Judas, c'est Judas qui allait mourir à sa place. Et Mohamed, étant le consolateur, étant sur place, il a vu et il a apprécié. Alors, on a trompé tout le monde, mais on n'a pas trompé Mohamed. Ibn Abi Kabsha n'a pas été trompé. C'était le seul arabe de tous les apôtres. Il y avait 12 disciples, non, il y avait 12 apôtres et plus de 70 disciples. Donc, parmi les 12 apôtres, il y avait un qu'on a caché. Le 13e apôtre de Jésus, c'était Ibn Abi Kabsha, alias Mohamed Mahomet. C'est lui qui était là. C'est lui, après la résurrection de Jésus, à 33 ans, quand Jésus est ressuscité, après le troisième jour, quand il ressuscite, Mohamed est là. C'est Mohamed qui voit. Donc, quand Jésus parlait comme ça aux apôtres qui étaient là, il leur parlait comme ça de Mohamed qui était parmi eux. Le 13e apôtre, c'est lui, Ibn Abi Kabsha. Il était là. Il a dit, Jésus n'est pas mort, parce que moi-même, je l'ai vu. Il s'est caché chez moi. C'est chez moi que Jésus s'est caché pendant qu'on a crucifié Issa. C'est Issa qu'on a crucifié. Et c'est le Issa là que donc Mohamed a parlé dans le Coran. Et Allah, il reconnaît Issa, mais il ne reconnaît pas Jésus. Voilà pourquoi le nom de Jésus là, Yeshua, Yassou, n'est pas dans le Coran. C'est plutôt Issa. Le monsieur qu'on a crucifié à la croix là, qui s'appelait Issa, c'est lui qui figure dans le Coran. Et ce monsieur-là, il n'est pas né à Bethléem, dans une bergerie. Non, lui, il est né en Arabie Saoudite, en plein désert, sous un palmier dattier. Et il parlait à Marie pendant sa naissance. C'est lui-là, c'est ce Issa-là que le Coran reconnaît. Mais le Coran ne connaît pas Jésus. Jésus Yassou, il ne peut pas apparaître dans le Coran. Il est la vérité. S'il apparaît dans le Coran va brûler. Voilà pourquoi on l'a mis de côté. Mais retenez une chose. Jésus-Christ, là, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et c'est au nom de Jésus que tous les genoux fléchissent. Maintenant, donnez-moi le nom de quelqu'un d'autre que la Bible ou le Coran a donné par lequel nous pouvons chasser les démons. Quel est le nom par lequel un homme sur la terre peut chasser les démons? Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous allez guérir les malades. En mon nom, vous deviendrez enfants de Dieu. Jésus a dit ça. Le Jésus musulman qui s'est prosterné et se jeta sur sa face. Comme les musulmans, quand ils se prosternent, ils se jettent par terre sur sa face. Merci les musulmans de nous apprendre que quand vous priez, vous vous jetez sur votre face. Nous, on vous voit comment vous vous courbez, vous baissez la tête, le front au sol pour avoir des points noirs comme des hindous et vous bombez l'anus au ciel. C'est ce que nous, on voit. Mais nous, on ne vous voit pas vous jeter par terre. Alors, Jésus se jeta sur sa face. Quand vous vous priez, musulman, là, vous vous jetez sur votre face? Non. Est-ce que quand vous priez, vous appelez Allah, mon père? Mais le Jésus musulman, quand il se jette par terre, il dit, mon père. Donc, Jésus, là, il ne respecte pas Allah. Allah a dit, je n'ai pas engendré, je n'ai pas été engendré non plus. Je n'ai pas de fils. Mais Jésus là, un impoli, il dit, il appelle Allah mon père. Et vous les musulmans là, pourquoi vous n'appelez pas Allah votre père? Allah dit qu'il est le chef des esclaves. Bref, ce n'est pas ça. Dites-moi dans le Coran, quel est le nom que Allah a donné au-dessus de tout nom? Et qu'à partir de ce nom là, tous les hommes peuvent guérir. Ils peuvent ressusciter les morts. À partir du nom de Jésus là, ils peuvent chasser les démons. Est-ce qu'au nom de Mohamed, on a déjà chassé un démon? Vous oubliez quelque chose, hein? Le nom de naissance de Mohamed, ce n'est pas Mohamed. Mohamed est né comme Ibn Abi Kabsha. Ibn Abi Kabsha est le vrai nom de Mohamed. Quand il est né, c'est le nom-là qu'on lui a donné.
Jésus là, avant sa naissance, l'ange Gabriel est allé voir Marie. Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Les catholiques ont dit non, pleine de grâce. Je vous salue, pleine de grâce, des blasphémateurs, des maudits. Aucun catholique ne peut aller au ciel. Tous les catholiques sont des maudits de l'enfer. Si vous mourrez catholique, il n'y a pas d'espoir pour vous. La pente sera lisse et glissante. Vous allez aller tout droit en enfer. Maintenant, je verrai bien de mes yeux comment vos papes iront en enfer là-bas, aller prendre vos âmes au purgatoire. Ils vont faire messe de requiem. Vos parents vont payer là-bas. Je verrai comment est-ce que vous allez payer le pape pour qu'il aille chercher vos âmes au purgatoire. Puisqu'il vous a fait croire que non, lui peut aller prendre des âmes au purgatoire. Lui-même, quand il meurt là, il va où? Pourquoi le pape ne ressuscite pas? Pourquoi tous les papes qui sont morts là ne se sont pas ressuscités? Pourquoi? Vous n'avez pas compris pourquoi? Ce sont des maudits. Un pape, quand il meurt, c'est tout droit en enfer. Il ne peut pas ressusciter et il ne ressuscitera jamais. Un pape étant vivant, il est déjà mort. Comme un prêtre étant vivant, il est mort. Comme les sœurs catholiques là, étant vivantes, elle est morte. Vous la voyez seulement vivante. Ce sont des hommes animaux. Ne prenez pas garde, ne les calculez pas, ne les faites pas confiance. Ce sont des abominables. Ils sont au même titre que les hommes qui vont avec des hommes et des femmes qui vont avec des femmes. Ce sont des maudits. Celui qui reste catholique, tant pis pour lui. Donnez-moi le nom que Allah a donné dans le Coran qui permet à un musulman de chasser les démons. Le Coran appelle Issa. Moi, je ne le connais pas. Hein? Mais je sais qu'ils font allusion à Yeshua, à Yasu. Je sais qu'ils font allusion à Jésus, à Jesus. Je sais qu'ils font allusion à lui. Je sais que le Coran parle de Jésus, fils de Mariam. Je sais que c'est de lui dont on parle. Sourate 9, verset 31. Ils ont pris leur érudit et leur moine comme Seigneur, outre que Allah et Jésus-Christ, fils de Mariam. Donc le Coran confirme que Dieu là, Allah, est Dieu avec Jésus. Mais, ils disent, Sourate 9, verset 31, ils ont pris leur érudit et leur moine comme Seigneur, outre que Allah est le Messie, fils de Mariam. Donc Jésus est Dieu dans le Coran. C'est pour ça que son nom est au-dessus de tout nom. Aucun musulman ne peut chasser un démon au nom de Muhammad. Muhammad n'est même pas son vrai nom. Qui peut chasser les démons au nom de Muhammad alors que ce n'est pas son vrai nom? Le vrai nom de Muhammad, c'est Ibn Abi Kabsha. C'est Abu al-Qasim. Abu al-Qasim est le vrai nom de Muhammad. Ce nom-là ne peut pas chasser un démon. C'est le nom de naissance, c'est le nom qui est reconnu par Dieu. Jésus-là, c'est l'ange qui est venu annoncer à Marie que tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Avant que Jésus ne soit né, le monde entier connaissait déjà son nom. Avant que Jésus ne naisse, sa mère connaissait déjà le nom. Sa mère connaissait déjà le nom. Et les révélés connaissaient déjà que Jésus viendra. Donc Jésus là, c'est le nom de naissance, c'est le nom de Dieu. Muhammad, son nom de naissance, c'est Abu al-Qasim. Ibn Abi Kabsha, c'est le nom de Muhammad. Ce nom-là ne peut chasser personne. C'est un nom vulgaire, inutile. Le nom de Muhammad qu'il a volé là, le très louangé. Comment un homme peut s'appeler le très louangé? L'homme qui mérite la louange. Comment un homme peut mériter la louange alors qu'il est mortel? Regardez sa mort. Il est mort empoisonné. Il n'a même pas pu se défendre lui-même. Il n'a même pas pu savoir que le poison était dans la nourriture. Lui-là, il était quel très louangé. Donc il s'est comparé à Dieu. C'est le blasphème le plus scandaleux du monde. Muhammad, c'est un maudit. Il ne peut jamais ressusciter. Il est en enfer avec son ami Allah. Ce sont les orgueilleux. Sa vie même, pleine de bêtises, de caca. Muhammad, sa vie est pleine de caca. C'est un maudit. Comment tu peux prendre le nom du très louangé? Comment tu peux t'appeler le très louangé? L'homme qui mérite la louange. Ibn Abi Kabsha, qu'est-ce qui t'est monté à la tête? Et les gens te suivent dans ça. Ils oublient que tes perversités te suivent là-bas en enfer. Ils oublient que tu as couché enfant de 6 ans. Ils oublient que tu as couché Ali, ta femme, le cadavre de ta femme, déjà morte. Ils oublient que toi, dans ta perversité, tu es capable de bander pendant que ta femme est morte. Tu es capable de bander pendant un décès. Ils oublient
qu'ils disent, ils t'appellent le très miséricordieux. Ils te disent que tu es miséricorde. Toi, tu es rempli de miséricorde. Quelqu'un qui bande pendant que sa femme vient de mourir. Donc, tu n'es même pas touché par la mort de ta femme. Tu bandes pendant que ta femme vient de te quitter. Si tu n'es pas maudit, si tu n'es pas un maudit, un abominable, tu ne peux pas faire ça. Comment tu peux bander pendant que ta femme est morte? Elle vient à peine de mourir. Les gens sont en pleurs. Le malheur vient de s'abattre chez toi. Mais toi, Ibn Abi Kabsha, ce que tu penses là, c'est de l'enfoncer. C'est de l'enfiler. C'est en ça que toi tu penses. Pendant que ses parents pleurent leur fille, ils pleurent un être cher pour eux. Toi, tu bandes. Si tu n'es pas un démon, comment est-ce que Muhammad, ton nom peut chasser un démon à travers ces choses-là? Comment Muhammad, tu peux dire qu'une femme peut accéder au paradis, que tu lui réserves le paradis, tu lui garantis le paradis, si elle te donne ce qui est entre ses pieds, son sexe, et elle te donne ses lèvres pour que tu puisses l'embrasser pendant que tu la couches? Comment tu peux dire que tu lui garantis le paradis? Qui es-tu, toi, pour garantir le paradis à quelqu'un, alors que toi-même, tu es un abominable? Alors que toi-même, tu es rempli de péchés, comme le dit le Coran. Comment toi, tu peux garantir le paradis à une femme parce qu'elle t'a donné son sexe et ses lèvres pour l'embrasser? Comment tu peux dire qu'un homme va aller au paradis, même s'il ne croit pas en Allah, même s'il ne respecte pas Allah, même s'il ne prie pas, mais s'il connaît les 99 noms de Allah? Donc, pour aller au paradis, là, il faut connaître les 100 noms moins 1 de Allah. Si tu connais les 100 noms moins 1 de Allah, tu vas aller au paradis. C'est quelle histoire que tu as ramené aux gens comme ça? Et ils sont dedans. Ils sont égarés. Jésus a dit, et il y a des preuves à l'appui dans la Bible, Jésus a chassé les démons par son nom seulement. Les démons étaient terrorisés du fait de voir seulement Jésus. Et il a laissé ça. Il nous a laissé ça à nous les chrétiens, qu'en mon nom vous chasserez les démons. Pourquoi Muhammad n'a pas dit qu'en son nom les musulmans vont chasser les démons? Le Moussa et Lama là, pourquoi il ne peut pas chasser les démons au nom de Muhammad? Ce n'est pas possible. Même Allah même, il est impuissant. Il n'a pas pu sauver Muhammad du poison. Muhammad est mort empoisonné. Et Allah était là, il n'a rien fait. Muhammad lui-même, qui est le très miséricordieux, Muhammad lui-même, qui est le très louangé, l'homme qui mérite la louange, il n'a pas pu savoir que le poison était dans la nourriture. Il a mangé, il est mort. Et quand il est mort, il y a un mouton qui est rentré dans sa chambre, aller manger la sourate 33. La sourate qu'on appelle l'allaitement. Je vous ferai une vidéo sur la sourate 33, l'allaitement. Vous allez comprendre. L'allaitement des adultes. Le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Même le nom de Allah est sous le nom de Jésus. Même le nom de Dieu est sous le nom de Jésus. Quand le nom de Jésus est prononcé là, tous genoux fléchissent. Tous les dieux de la terre fléchissent les genoux. Donc Allah, qui fait partie des meilleurs des créateurs là, Allah, qui se réclame d'être le meilleur des héritiers, le meilleur des créateurs là, un Dieu qui est le meilleur des créateurs et le meilleur des héritiers là, comme il est en concurrence avec d'autres dieux là, lui aussi, il fléchit les genoux. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alors Muhammad est où? Muhammad a dit que les gens ont écouté le Coran, la lecture du Coran. Et ce sont des démons. Des démons ont écouté la lecture du Coran. Et ils sont devenus musulmans. Donc un homme dont l'aura, dont la personnalité est appréciée par des démons, c'est un démon. Voilà pourquoi aucun musulman ne peut chasser un démon au nom de Muhammad. Muhammad lui-même, il est un démon comme les autres démons. Les démons ont apprécié le travail, l'œuvre de Muhammad. Muhammad a œuvré sur la terre et les démons ont apprécié son œuvre. Mais Jésus nous a dit quoi? Tous les démons iront en enfer. Ils ont été conçus pour l'enfer. Ils ont été construits, ils ont été créés pour le mal et le jour du malheur. Après ça, ils iront en enfer avec Satan. C'est ce que les saintes écritures nous disent. Mais le Coran nous dit que les démons là, il y en a qui vont aller au paradis de Allah. Mais nous tous, on connaît le paradis de Allah. Si Allah est Satan, son paradis c'est quoi? C'est l'enfer. Quel est le nom que Allah a laissé sur la terre, qui est au-dessus de tout nom? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi? Jésus a vécu dans le Coran 33 ans sans pécher une seule fois. Jésus a vécu dans la Bible, parce que c'est lui qui est notre Dieu, 33 ans sur la terre sans pécher. Jésus là est le seul homme qui a vécu sans péché sur la terre. Les musulmans disent que Jésus n'est pas mort, mais ils oublient que Jésus... Oh non, vous dites que Jésus n'est pas mort. Ok, d'accord, mais si Jésus est mort, mais Dieu ne meurt pas. Ça veut dire que Jésus ne peut pas être Dieu. Oui,
Si Jésus est mort là, n'oubliez pas de dire aussi qu'il est ressuscité. Jésus est mort, oui, mais il est ressuscité. Qui l'a ressuscité? Jésus, lui, il a ressuscité les gens qui étaient morts. Les gens sont morts, Jésus les a ressuscités. Mais quand Jésus est mort là, 3 jours après là, qui l'a ressuscité lui? Mais quand Mohamed est mort, 3 jours après, qui l'a ressuscité? Pourquoi le Coran dit qu'il a élevé Jésus au ciel? Mais pourquoi Allah élève Jésus au ciel, il laisse Mohamed à la terre? Entre Jésus et Mohamed là, qui est le meilleur prophète? Si Jésus est prophète comme Mohamed, si Mohamed est prophète comme Jésus, pourquoi Dieu préfère élever Jésus au ciel, il laisse Mohamed à la terre? C'est des questions auxquelles vous devez répondre. J'aimerais que vous répondiez. Vous répondiez quoi? J'aimerais que vous répondiez comme ça on échange quoi. Mais je sais une chose. Jésus est Dieu. Jesus is Lord and God. Ça je le sais. C'est signé. Shalom et à demain. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et le vrai Dieu, le véritable et le seul. Audio Jungle.